Stimule bedondaine paillasson, fripono et dame plus de giroflée, et brunelle toute la ribambelle de fou. C'est nous la ribaudague, oui, c'est nous, nous. Paillasson, paillasson, oh, enfin c'est toi que je cherchais. Encore giroflée qui veut me donner une bise. Et pourquoi tu me cherches, giroflée? Je te cherchais parce que tantôt, je t'ai vu manger un gros morceau de gâteau au chocolat. Oui. Alors, moi aussi j'aimerais savoir du gâteau. Oui, c'est vrai, j'avais du gâteau au chocolat maintenant. Je n'en ai plus. Tu n'en as plus? Non, j'en ai plus, je l'ai tout mangé. Oh, tu l'as tout mangé? Je l'ai tout mangé. Tout. Ah, ah bon? Ah ben, vous comprenez, tout le monde m'en demande. Il m'en demande, mais alors, il faut que je m'en garde un peu pour moi aussi. Comment ça va me faire grossir? Ah non, si j'en mange autant que ça, c'est parce que je sais que ça va me faire grandir. Maintenant, je suis un peu fatiguée. Je vais essayer de faire un tout petit somme. Qu'est-ce qu'il y a? Paillasson, lève-toi. Ah non, je m'endors trop. Lève-toi, paillasson, regarde ce que j'ai dans ma main. Oh, une patate en chocolat. Oui, lève-toi, suis-moi et tu auras ta patate. Oh, une patate en chocolat, c'est dur, mais ça en vaut la peine. Et monsieur, dites-moi, est-ce que vous allez m'amener bien loin, monsieur? J'ai beaucoup chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. On est presque arrivé. Oh, mais ça fait 10 heures que l'on marche, monsieur. Allez, paillasson, entre. Oh, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je veux ma patate, monsieur. Est-ce qu'on est arrivé, monsieur? On est rendu. Oh, alors je peux prendre ma patate. Ah, elle a disparu. Eh oui. C'était un mirage pour t'attirer. Pour m'attirer, mais... Monsieur, qui êtes-vous donc, monsieur? Et tu ne me reconnais pas. Oh, des cocos... On dit une queue, toute pointue au bout. Oui, et maintenant, tu vas me reconnaître encore mieux. Tu vois, avec ça, je suis au complet. Quoi, vous êtes le... Il est le... Vous êtes le Didi, le Didi, le... Oui, je suis le Didi, le Didi, le diable. Le diable. Maman! Mais non, voyons, n'aie pas peur, paillasson, n'aie pas peur. Je ne veux pas te faire de mal. Ah oui, vous allez m'amener en enfer, alors j'ai peur. Moi, t'amener en enfer? Oui. Mais je ne peux pas t'amener en enfer. Non. Mais non, parce que tu y es déjà en enfer. Ah, parce que... Comment c'est ça, l'enfer? C'est ici l'enfer! Mais oui. Ici? Mais oui! Ici! Ici, là, 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 là! Mais oui, ici, là, 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 là! Mais non! Non, ne ris pas! Non, mais... Ne ris pas! Ne ris pas, c'est toujours comme ça! Il faut pas rire! Je suis toujours seul, moi je ne veux pas te faire peur! Non, je ris, c'est parce que c'est pas comme on m'avait dit que c'était, vous comprenez? Ah oui, mais tu sais, on dit beaucoup de choses chez les hommes. Hein. S'il fallait croire que tout ce qu'on dit est vrai, où on irait? Oh, vous avez bien raison! Ah bon! Mais c'est pas grand chez vous, hein? Ah ben, c'est bien assez grand pour le nombre de clients. Comment ça, le nombre de clients? Ben, il vient jamais personne ici. Il vient jamais personne? Mais non, je suis toujours tout seul à me désarmer, mais je suis très, très, très malheureux. Vous êtes très, très, très malheureux? Et regarde le pli que j'ai au front, là, Et le coin des papines qui descend, tu vois? Comment ça se fait? Mais ça se fait que j'ai jamais personne à qui parler. Non! Mais, c'est pour ça que je suis allé te chercher. Vous avez ma chère, c'était pour ça. Mais j'ai profité que tu voulais pas donner de gâteau, hein, que tu manques un peu de charité. Je me suis dit, paillasson, c'est un clown drôle. Non, pour ça, je suis un clown très drôle. Alors il me désennuiera, il me tiendra compagnie. Oh, pauvre monsieur! Vous êtes un pauvre diable! Évidemment, je suis allé chercher paillasson pour qu'il reste, hein. Je veux qu'il reste. Et ensuite, je vais lui brûler un peu les foufounes. Mais j'ose pas lui dire. Hein. Non, j'ai peur qu'il ait peur. J'ai peur qu'il ne veuille plus me parler. Alors, chut.
tiens. Oui, ah. Viens le voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Ah, ça, c'est un petit signe d'amitié, un petit souvenir. Ah, excusez-moi, je me suis barbouillé les mains. Je voudrais me laver les mains, mais... Dites-moi, monsieur, oui. Où est l'évier? Ah, il n'y a pas d'eau ici. Comment, il n'y a pas d'eau? Allons, ah, l'eau, c'est très désagréable. Mais ah. J'aime pas l'eau, moi. J'aime pas ça du tout. Mais... Il y a du feu, par exemple. Ah oui, mais elle est pour ça, il y a du feu. T'aimes ça, le feu? Ah non, j'aime pas ça du tout. Ah ben moi, j'aime ça. Ah bon. Pourquoi t'aimes pas ça? Ah non, j'aime pas ça parce que ça me fait peur. Oh, oh oui. Mais tu n'as pas à avoir peur, paillasson. Non. Tiens, regarde là. Tu vois la fournaise? Hein? Tiens, regarde bien. Oh! Mais hey, ça vous fait pas mal? Non, ça fait pas mal. Essaie, tu vas voir. Moi? Attention. Ah! Tu n'aimes pas ça? Oh, je n'aime pas ça du tout. Oh! Non, et personne n'aime le feu chaud. Qu'est-ce que vous voulez? Oh mon Dieu! Oh, paillasson! Hein? Regarde, tu vois ici le feu là, hein, dans la fournaise? Eh bien, c'est le feu de l'enfer! C'est le feu de l'enfer! Ça, c'est le feu de l'enfer! Non, mais n'arrive pas! Non, c'est un feu qui est éternel! Ah oui? Ah oui! Ah. Oui, mais il y a une façon de l'éteindre. Une seule. Ah, parce qu'on peut éteindre le feu éternel de l'enfer. Oui, avec de l'eau. De l'eau? Oui, mais une eau très, 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 très spéciale. Une eau incroyablement difficile. Diablement difficile à inventer, à fabriquer. Mais ça s'appelle comment, votre eau? Ça s'appelle l'eau mou. Oh! Oui, c'est une formule chimique extrêmement compliquée. X, Y, Z divisé par racine carrée de 2 sur 3, 14, 16, multiplié par un AB rempli d'un petit au cube. Oui. Ah ben, je m'en souviendrai pas. Jamais personne pourra découvrir ça. Oh, oui. Ah non. Ah, oui. Ah non. Moi, je connais quelqu'un qui pourrait découvrir, qui pourrait la fabriquer, votre eau. Qui ça? Le professeur Mandibule. Oh, oh là là. C'est très difficile de rire comme un diable doit rire. Le professeur Mandibule? Oui. Jamais le professeur Mandibule. C'est pas un assez grand savant. Il n'y a pas de savant assez grand, assez génial. Je suis pourtant un génial savant. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour Paillasson. Oui. J'ai su que Paillasson était prisonnier du diable. Oui, mais que faire? Voyons, laissez-moi réfléchir. J'ai trouvé. Il y a, selon la légende, une eau magique qui peut, dit-on, éteindre à tout jamais le feu de l'enfer. C'est l'amour. Eh bien, je vais en découvrir la formule et la fabriquer. Mais il faut que je fasse vite, sinon pauvre paillasson, tout à l'heure, il va se faire brûler les foufounes. Vite, au travail. À nous deux, diable maudit. Oh, il est gentil, ce diable-là. Et pour l'instant, il s'est absenté. Donc, c'est un bon diable, vous savez, mais... Un pauvre diable, oui, c'est un pauvre diable parce qu'il est, très, très, très malheureux. Il est très, très malheureux. Oh, oui. Malheureux. Ça, on ne peut pas dire qu'il soit... Je ne connais personne qui soit plus mal. Une patate au chocolat. Giroflée. Oui, c'est moi. Quand j'ai su que tu étais chez le diable, je suis venue parce que je me suis dit, sûrement, il voudrait une patate au chocolat. Ah, bien, tu es gentil. Oui, je suis gentille. Puis ensuite? Ensuite, bien voilà. Voilà, je me suis dit que peut-être t'aurais besoin d'une bise pour te remonter le moral. Ça y est, encore une bise. Ah! Non, n'approche pas, giroflée. Pardon, n'approche pas, giroflée. Regarde, j'ai perdu. Encore? Oh zut! À chaque fois que je veux te donner une bise, tu vas le rhume. Vas-y, le rhume, c'est comme ça. Je l'aime bien, giroflée, mais ces bises, elles sont toutes mouillées. Hein. C'est pas tout, tu sais. Non. J'ai une idée pour te sortir de chez le diable. Ah ben, c'est pas la peine, j'ai refusé, parce que tu sais, mon diable, ce n'est pas un mauvais diable. Oui, comprends, oui, c'est oui, un oui, bon... c'est la peine. Je vais t'expliquer mon idée. Voilà, le diable, il apparaît. Moi, j'essaie d'être gentille avec lui. Non, mais j'ai refusé, je t'ai dit que c'était pas du tout la peine, c'est parce la que... Mais tu comprends.
je suis gentille avec lui. Je lui fais des beaux compliments et alors il te laisse partir. Girofle, tu n'as rien compris du tout. Je te dis que c'est pas la peine parce que ce diable-là, ce n'est pas un mauvais diable, c'est un bon diable. Oh, c'est difficile de rire comme un diable, je n'y arrive pas. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait ce rire? C'est drôle. Ah, c'est drôle. Oh, ça devrait vous donner la chair de poule. Oh là là, que je suis malheureux. C'est vrai que je suis pas un diable convenable. C'est vrai que vous êtes pas tout à fait comme on l'a dit. Non, hein. Vous êtes beaucoup plus beau. Ah oui? Oui, et beaucoup plus intelligent. C'est vrai, ça? Oui. Même que vous êtes plus intelligent que... que Paillasson. Oh, ben, c'est pas un critère. Vous êtes plus intelligent, tiens, que Monsieur Bedonden. Que le professeur Mandibule? Oh, oui. Vous êtes beaucoup plus intelligent que le professeur Mandibule. Oh, Girofle, tu es une fille adorable. Oui, je suis une fille adorable. Et vous aussi, vous êtes adorable. Oh. Et tiens, vous êtes tellement adorable que j'ai envie de vous faire une bise. Une belle grosse bise. Oh, tu vas me donner une grosse bise? Oui. Oh, je vois ça. Oh, oui. Oh là là, que c'est mouillé, oh là 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 là, mais j'aime pas ça du tout. Je vais vous en donner une autre sur d'autres jours. Ah non, tu refais, ça suffit. Ah, au secours. Mais attendez donc. Pauvre girofle, elle ne se corrigera jamais. Tout ce que je me demande, c'est pourquoi le diable, il m'a imprimé une petite fourche dans le front. Paillasson. Mon Dieu, c'est curieux, on m'appelle et puis... Mais je vois personne. Paillasson. J'entends des voix. Oh, c'est vous. C'est moi, monsieur Bedonden. Allez, hop. Attention. Ben oui, sautez. Sautez. On a échappé belle. Ben non, oui, on a échappé belle. Ah, oui. Imagine-toi que le diable, il nous est passé à deux pas. Ah oui, moi j'étais ici, puis lui, il est passé là. Oh là, j'ai eu chaud. Hein. Oh, moi aussi, j'ai eu chaud. Mais il fait chaud ici, d'ailleurs. Ah oui, il fait très chaud. Ah, il fait chaud ici, oui. Pauvre petit paillasson. Paillasson, on est venu te libérer, ne pleure pas. Hein? Non, ne pleure pas. Mais je ne pleure pas maintenant. N'aie pas peur. N'aie pas peur, on vient te chercher. Je n'ai pas peur, et puis je ne veux pas partir. Comment tu veux pas partir? T'es chez le diable et tu veux pas partir? Bah t'es bon, toi! On vient jusqu'ici pour te chercher, tu veux pas partir? Oh là là. Je ne veux pas partir parce que le diable, ce n'est pas un mauvais diable, c'est un bon diable. Le diable, un bon diable, ça n'existe pas. Viens, paillasson! Mais non, je ne veux pas! Allons! Je ne veux pas! Et c'est moi qui ne veux pas parce que le diable, lui, m'a dit que je pouvais m'en aller. Il t'a dit que tu pouvais t'en aller. T'es sûr de ça? Bah absolument, oui. Oui! Il t'a dit ça et tu l'as cru. Mais bien sûr! Et qu'est-ce qu'il t'a dit encore? Il m'a dit qu'il me gardait à côté de lui pour lui tenir compagnie parce que j'étais un clown drôle. Oh, ben voyons, paillasson, le diable, il a des ordres. Il t'a dit ça pour pas te faire peur, pour que tu restes, pour que tu cherches pas à t'en aller, pour que tu sois gentil avec lui. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Ah non? Hein? Non? Mais si, c'est vrai. Non. Oui, c'est vrai. Oui. La preuve! La preuve, oui. Tu veux la preuve? La preuve. Oh, la preuve. Je l'ai, la preuve. Tu vois ça? Oui, on voit ça, mais quoi, ça? C'est une fournaise, oui. Je connais. C'est une fournaise. Déjà. Il t'a dit à quoi elle servait, la fournaise? Mais le fournaise, fripole, une fournaise, c'est fait pour chauffer! Oh là là! Et le siège qui est là-bas? Il t'a dit à quoi il servait, le siège? Oui, quoi, le siège? Regarde là-dessous. Regarde le siège. Ben, je regarde le siège. C'est là qu'il assied ses clients pour leur brûler les foufounes. Hein? Parce qu'il va me brûler les foufounes, je vais m'asseoir là-dessus, ça va me brûler les foufounes. Mais oui, tiens. Regarde, il y a même une pancarte. Et c'est chaud. Il s'est écrit réservé à paillasson. Tiens. Réservé à... Réservé à paillasson. Ah. Alors tout à l'heure, le diable... Il m'a pas dit la vérité. Maman, vous voulez qu'on va partir tout de suite, hein? On va aller jouer un petit peu dehors. Hein? Vite, ça vous fait rien? Oh non, pas mieux. Le diable! Le diable qui arrive. Allez, vite, Manon, il faut se cacher dans la pièce à côté. Voilà. Allô? Oh là là, que j'ai couru. Elle court vite, Girofle, hein? Ah oui, c'est parce qu'elle a l'habitude, vous savez. Oh, moi, je vais aller me reposer, je suis très fatigué. Hein?
Oh, j'ai un de ces mal de tête. J'ai trop couru. Oh là, oh que ça résonne là-dedans. Oh là. C'est curieux, ça. Je ne sais pas, je ne peux pas sortir. Regardez ce qu'il a au front. Oh, une fourche. C'est le signe de l'enfer. Oh là là, la fourche. Et tant qu'il aura ça au front, il ne peut pas sortir à moins que je prononce les paroles magiques. Oh, Mazak. Et je ne les dirai pas, les paroles magiques. Il ne sortira pas, paillasson. Oh là là. Oh, allez, allez, il nous a eu. Allez, vous deux restez. Vous me tiendrez compagnie. Allez, 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 vite. Oui, oui, sans prendre. Parfait, papa, y'a son retour. À bientôt, paillasson. Oh, ils sont partis sans moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si le professeur Mandibule pouvait être ici. J'y serai. Et je libérerai paillasson. Oh là là, quand j'ai travaillé ma cervelle à la fièvre. Oui, car j'ai trouvé la formule. Mais oui, c'est XYZ multiplié par la racine carrée de 2 sur 3, 14, 16 au carré. J'achève la fabrication. Tenez, je verse ici. Et ensuite, une goutte de ce liquide dans celui-ci. Et ça me donnera l'humour. Eh oui. Enfin, si je me suis trompé dans ma formule, ça va faire une explosion. Ça, c'est moins drôle. Enfin, courage, Mandibule! Tout pour la science! Et voilà. Voilà. Oh non! Oh non! J'imagine qu'ils t'ont tout dit. Tout. Tout. Hey, excuse-moi, paillasson, mais tu comprends. Je voulais pas te dire, moi je voulais pas te raconter. Je voulais pas te faire peur. Et maintenant qu'ils t'ont tout dit. Excuse-moi. Mes bedons d'aller friponnons. Je vais les attirer dans un piège. Et demain, je vais commencer à vous brûler les foufounes à tous les trois. Mais. Oh là là, un peu plus et on était cuit. Il est pas tuable, le diable. Et paillasson est toujours entre ses mains. Que faire? Que faire? Oh, je l'ai. On va installer un filet à l'entrée de l'enfer et quand le diable va sortir, on va s'arranger pour que le filet tombe sur lui. Oh, excellente idée. Oh, allez, vite, vite. Paillasson dit, Monsieur Bedondaine, friponneau, venez vite, le diable me maltraite. Monsieur, Monsieur Bedondaine, friponneau, venez vite, le diable me maltraite. Bon, je vais voir maintenant si je peux t'imiter. Monsieur Bedondaine, friponneau, venez vite, le diable me maltraite. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Alors, vous voyez, le diable va sortir, il va marcher sur la ficelle et aussitôt, le filet va lui tomber sur la tête. Monsieur Bedondaine, friponneau, venez vite, le diable me maltraite. Oh, mais t'entends, il y a paillasson qui nous appelle. Oh, le diable me maltraite. On y va. Venez vite, le diable me maltraite. Oh, comment? Mais ils ne sont pas encore là. Il doit sûrement se passer quelque chose d'anormal. Je vais aller voir. Ah, mes deux moineaux, je vous ai. Vous m'appartenez. Et même un grand savant comme Mandibule ne vous sauvera point. Entrez, monsieur, entrez. Ça y est, je vais libérer paillasson. Mais oui, car j'ai trouvé la formule. Imaginez-vous que tout à l'heure, j'avais oublié de multiplier
par un abbé rempli d'appétit au cube. Voilà. Je verse une goutte. Vous allez voir, il n'y aura pas d'explosion. Et voilà. Voilà de l'humour. Je vais en remplir maintenant mon siphon. Et ensuite, je vais préparer mon petit piège à diable, car j'ai un piège à diable. Vous allez le voir fonctionner tout à l'heure. Allons au diable. Et voilà, toi aussi tu as été prise dans le filet. Une bonne idée que vous avez eue, messieurs. Ouais. Bon, et maintenant je vais aller m'opposer un peu, je reviendrai demain. Et demain, je commencerai à vous brûler les foufounes à tous les quatre. On s'amusera. À demain. Mais c'est vrai qu'ils vont nous brûler les foufous. Oui, c'est vrai, Flavie. On est bien malheureux. On est très malheureux. Oui, on est bien malheureux. Oh, si le professeur Mandibule pouvait être ici. Je suis rendu. Le pagasson n'était plus seul. Eh bien, heureusement que je suis venu. Sinon, c'était une catastrophe. Toute la ribouledingue était au diable. Bon, ben maintenant, je vais installer mon petit piège à diable. Je termine l'installation de mon piège à diable. Vous voyez ce tambour? Je le dépose ici. Et vous voyez cet appareil à douche? Ça, c'est pour la petite surprise de la fin. Voilà comment ça va se passer. Vous voyez, je suis déguisé en ange. Le diable paraît dans son enfer aussitôt que le petit matin pointe. Il se promène et tout à coup, il m'aperçoit. Catastrophe! Un ange dans mon enfer, qu'il dit. Il a pas eu, il a pas eu, il a pas eu, il recule, il recule, il s'enfarge dans le tambour, comme moi je m'enfarge dans mes mots. Il crève le tambour et il reste pris. C'est pas merveilleux, ça, c'est pas ingénieux, c'est pas sensationnel. Oh! J'oubliais d'expérimenter mon humour. L'humour qu'il y a dans le siphon, voyons. Du feu, s'il vous plaît. Ah! En voici. Attention, l'instant est grave. Ça fonctionne! C'est génial! Génial! Mais j'ai bien hâte de voir la tête que va faire le diable. Je l'entends venir. Chut. Je vais passer à l'expérience la plus extraordinaire de tous les temps. Je vais éteindre le feu de l'enfer à tout jamais. Vous ne pourrez jamais l'éteindre. Oh non, oui, comment ça? Parce qu'il faut une eau spéciale. Ah oui, l'eau mouve. Oui, mais... Eh bien, nous verrons bien. Attention. C'est que je suis tout simplement génial. Oh, professeur. Oh, là, 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 là. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, ça va en faire. Plus de feu, je ne pourrai plus répondre aux ordres. Eh bien, ça n'est pas nos oignons. Allez, hey, vite, sortons d'ici. Oui, sortons. Allez. Vous ne pourrez pas sortir. Vous ne pourrez sortir que si je dis les mots magiques. Et vous allez le dire. Je ne le dirai pas. Mais oui, nous allons bien voir. J'ai tout prévu. Ha, ha!
faire couper ça tout de suite. Arrêtez ça. Fais aller dire le mot magique, Hitler. Oui. Je vais couper l'eau. Oui, je l'ai dit tout de suite. Diablotitum. Diablota. Alla kaboum. Diablotitum. Oui, ça, ça marche. Oui. Non, ne partez pas. Il n'y aura plus personne à lui parler. Non, ne me quittez pas. Je m'en vais, mais le pauvre diable, il continue à être malheureux. Peut-être que pour le consoler, je pourrais lui offrir un morceau de mon gâteau au chocolat. Du gâteau. Non ! Mon Dieu, je viens de rêver. Je viens de faire un drôle de rêve, un rêve très très bizarre. Bizarre, mais... Ça me donne une bonne idée, une très très bonne idée. Vous savez pas mon idée, je vais offrir de mon gâteau à tout le monde. Au professeur Mandibule aussi pour commencer. Professeur Mandibule, vous vouliez du gâteau, je vous en offre. Professeur. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Pagnotte? Asseyez-vous, professeur. Tenez, professeur. Excusez ma main. Voilà. Comme c'est gentil. Je vous en prie, professeur. Monsieur Benondin, du reflet. Fripano, il y a du gâteau pour vous, du gâteau pour tout le monde. Professeur, figurez-vous que je viens de faire un rêve étrange. Vous éteignez le feu de l'enfer. J'éteignais le feu de l'enfer? Oui, professeur. Il n'y avait plus jamais, il n'y avait plus jamais d'enfer. Tiens, c'est une idée, ça. Mais, Pagnasson, es-tu sûr que c'était un rêve? Oh, mais professeur, si ça n'a pas été fait, ça devrait être fait. Ça devrait être fait.